Bonjour à toutes et à tous, c'est Linkus. Et c'est reparti pour notre start-up. Alors, je vais manger ça vite fait. Pour pas récupérer la deuxième pierre thermale. Ok, c'est parti. Je n'oublie rien. Et donc maintenant, les grosses viandes. Les grosses viandes pour vite se refaire un totem de résurrection. Ok, très bien. Alors, on va ranger tout de suite. La deuxième pelle, donc j'avais dit que ça servait à rien. Le bois bizarre, ok. Du coup, ça, on a une qui me sert à rien non plus. Ceci, on va le ranger. La lance ne me sert à rien. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est mon Chester qui revient. Oui, il revient à la vie continuellement. Jusque là, ce que j'ai vu. Alors, on va aller chercher la grosse viande. On a du cochon. Ils étaient où mes cochons? Il y a deux cochons là à gauche. On va aller déjà aller voir eux. Et après, je pense que je vais me faire des ratons tranquilles quoi. Alors, ils sont où? Je sais. J'ai peur de mon ombre. Allez, viens ici. Ah, j'ai un peu peur parce que véritablement, c'est tous ces derniers épisodes, j'ai fait quasiment que subir. J'arrive pas trop à me développer. Je fais que réparer après chaque mort, donc une peau. Bon, c'est pas ce que je cherchais, mais je prends quand même. Déjà le froid est en train de... Voilà. Même pas le temps de le dire que... J'ai pas énormément de bois, on va en profiter. Alors toi, réchauffe-toi. Ah mais tu dis... C'est une blague quand même, laisse-moi un petit peu travailler quoi. Oui, ok. Désolé. Oui, en même temps mon feu c'est un peu de la fouf hein. Allez, feu de l'enfer. Réveille-toi. Ah, pierre thermale chauffée à bloc, c'est parti. Tout. Bon. Qu'est-ce que c'est? Le chat. Aïe. Ouh. Désolé, Chester. Je me fais toucher par. Le chat, c'était pas prévu, mais bon, je l'attaque à la hache en même temps. J'ai pas envie d'user ma pique, c'est tellement galère d'en choper. Pour tuer ce genre de petit truc, ça m'intéresse pas. Ah, ici il n'y en a plus. On va aller par là. Ah, il est là. Allez, pionce. Chester prend toujours un petit coup. Hein. Pour le plaisir. Je suis là. Pas de glace. On va refaire les stocks de glace. On m'a donné aussi une recette avec un peu de glace, il faut que j'en garde.
Comment ça? Là j'en suis aux 3 grosses viandes. On va vite aller choper la dernière. Allez, viens ici. Ok, le feu, vite. Ah, timing est serré là, hein, mais bon. Ah, j'ai oublié de refaire mes graines. J'espère que ça va tenir encore un peu ça, parce que sinon, toutes mes graines en l'air, ça m'embêterait. En même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de rester ici? La nuit est longue. Peut-être retourner, faire une torche. Suis-je loin? Pas vraiment. Alors j'ai envie de me dire, je fais deux torches. Mais comme d'habitude, je vais encore me faire des torches pour rien. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Ah, j'en fais qu'une et on va bien voir. Dit-il. En serrant les fesses. Ah, surtout que je pars pas du bon côté. Ah, j'ai failli avoir le réflexe de mettre la canne en me disant je vais aller plus vite, mais c'est peut-être pas le meilleur moment de d'enlever ma torche. 50%. Ouais, encore un peu loin. Hein. Timing encore serré. Ah, le froid. 13%, tout va bien. Le feu est où? Et je vais la finir. Ouais, voilà, comme ça je ne garde pas une torche à 2% dans la main. Donc, pierre. Hop, feu. Feu conséquent. Non, oui. Ouais, trop de pierre. Trop de pierre autour de mon feu, ça bloque. Alors, déjà ça me sert plus à rien. Ça, quoi, ce col. Non mais tu... Il n'y a pas moyen. Pas moyen de s'éloigner 2 minutes, quoi. C'est quoi ce truc? Toi, vite. Allez, sois actif s'il te plaît. Ok, c'est parti pour la récolte maintenant. Non, non, non. Toujours faire attention de ne pas libérer l'oiseau. Ok. Ensuite, je vais peut-être refaire mon croque-pot que j'ai cramé par inadvertance. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va... Alors, le croque-pot, j'avais dit, qu'est-ce qu'il me faut? De la pierre et ouais, du charbon. J'ai tout ce qu'il me faut logiquement. Charbon et pierre, voilà, impeccable. Ok, ensuite mes pétales, ouais, je les mets là pour l'instant. Ah ouais. Je vais être en manque de bois. Je vais être en manque de bois, du coup, il faut que j'aille couper du bois. La logique se tient jusque-là. Alors, ouais, j'ai. Ouais, non, en haut, c'est. En haut, tout est cramé. Ouais, on va aller par là. Hein.
parti, soyons fous. Plus qu'à croiser les doigts pour pas qu'il m'arrive une bricole. Parce que là, je suis vraiment pas loin de mon camp. Je pourrais pas me barrer s'il y a des arbres qui commencent à s'élever. Il faut 4 planches, donc 16 bois, 16 bûches. Mais il m'en faut un peu plus pour tenir quand même, si je crame tout. Enfin, quoique j'ai remarqué que j'avais énormément de pommes de pin. Donc ça, je peux m'en servir pour alimenter le feu, hein, pour la nuit. C'est bon, j'ai pas vraiment besoin de planter d'arbres. Tout ce qu'il faut autour de moi. Encore, je pourrais faire un petit truc joli autour de chez moi avec quelques arbres. Jusqu'à l'avenue d'un géant qui crame tout, qui défonce tout. Et tout l'esthétique, je le carre bien profond, donc ouais. Finalement, je vais les garder mes pommes de pin pour alimenter le feu. Ça va être très bien comme ça. Encore des trucs qui traînent. Une baie, pourquoi pas. Il va falloir que je me fasse un plat au plus vite. Alors, un plat peut-être tout de suite. Tac, tac. Comment ça, je n'ai plus de place. Alors. Bam. Bon, j'ai constaté aussi quelque chose qu'il va falloir que je pense le trait assez vite, hein. Parce que les attaques de chiens quand même là ça devient sévère. Alors, comme on a pu voir à chaque fois, j'ai perdu quand même 2 vies sur des attaques de chiens. Donc là je me dis je vais devoir augmenter les défenses à mon camp. Au moins si je me fais attaquer au camp, je serai plus protégé. Même si bon. On a vu que mes pièges, c'est pas super, hein, mais ça peut toujours servir. Hein. On a vu que ça a servi justement. Même si c'est pas génial. Si j'en mets plus, je me dis ça va le faire. Alors donc, des poils. Des poils de barbe. Où est-ce que j'ai foutu ce truc? C'est ici. Et... ça tu manges s'il te plaît. Et les viandes. Et voici. Ah ouais. Ouais, il m'aura bien bien servi le totem, hein, là. Bon, ok. Je vais ranger mes bricoles. Et je sais pas trop sur quoi je vais m'attaquer après. Faut que je regarde un peu, hein, les objets maléfiques que je pourrais faire. Peut-être aussi, j'avais dit les pièges, mais aussi les nouveaux trucs. Hein. Peut-être une épée plus balèze, une défense plus balèze, Night Armor. Là. Alors je sais que ça diminue voilà, la santé mentale, mais bon, si c'est juste pour porter à certains moments, pourquoi pas. À faire des tests de ce côté-là. Hein. On verra bien. Merci d'avoir regardé, et à bientôt. Au revoir.